aujourd'hui nous avons une vidéo la peste, une vidéo sur l'équipement la peste plutôt. Mais aujourd'hui nous avons un achat online. Comme je tout connais, tout l'op est monté constamment, donc et puisque tout, c'est pas une affaire qui nous restait pour la peste, tout mon équipement la peste importé, nous peut payer de plus en plus cher. Mais malgré tout, de temps en temps, l'open site de vente online et n'a pas d'opportunité intéressante. Et moi, pensais qu'ils vont faire un bon deal. Nous guettons ensemble. Maintenant, d'abord, van soft baits. Comment beaucoup d'entre vous me pensez, je finis servi Z-Man pendant un bon partie de temps. Moi, en tout cas, c'est peut-être premier soft bait qui vraiment commence à servir. Avec les temps, l'invin extrêmement cher. Zodi en a beaucoup matériel, beaucoup soft lure qui servit ça, élastique. Et qui bien plus beau moi c'est qu'ils aiment. Moi connais un peu bon camarade qui peut dire qui quand même malgré tout la pas aiment et un âge et une action qui bien voit c'est mais bon quand ou pépé 100 roupies ou 200 roupies plus cher pour quasiment même matériel living bien vite une dépense qui commence à faire beaucoup ça va même là pas là donc nous pouvons vendre là pas 3 pouces 5 qui beaucoup d'entre nous servir pour batterier pour drop shot etc. Ça m'a même là, voilà, mon pays avec ce shipping, si je fais un calcul là, en fait, il vient quasiment à moitié prix de ce que je peux payer si je prends dans un, deux, ben, quelques magasins. C'est qui magasin qui vend Z-Man Maurice? En tout cas, moi, personnellement, mon découvert, ben, n'a pas shuriken depuis quelques temps déjà, et probablement dans sa bande colorée là, en tout cas, je suis bien content de ce qu'il y a du blanc. Shuriken, puisqu'il est scented, bien important. Dans certaines conditions, puisque les centaines m'ont quasiment servi shuriken tous les temps quand on fait inshore, quand on fait cross depuis la plage, et bien sûr quand on fait drop shot, comme beaucoup d'entre eux, les lamos servent les autres variétés là-bas, mais Z-Man reste, nous voulons nous parler, même si les chers ils passent un excellent appart. Là, on la sens une beauté, on paye les. Avec ce shipping, tout probablement la moitié de ce qu'il nous paye ici. Ce qui fait qu'en fait, les plus beaux morceaux, c'est que même les autres lapins, même type qui vendaient dans Maurice. La deuxième chose qu'il y a dedans, c'est un braid. C'est un nouveau J-braid là. 4x4. C'est pas un 8 strand, c'est un 4 strand. 30 livres, 300 mètres. Je ne trouve pas ça ici, c'est vrai. Mais je présume qu'il m'a probablement payé avec ce shipping tout peut-être 500, 600 roupies moins cher qui m'a dit payer ici, il y avait label ici. Et un autre marque comme ça qui m'a bien content servir également pour un petit diamètre. Donc, moi, dans la ligne 15 livres, 10 livres, voilà, c'est Suffix, Suffix ATD, 830D. C'est un marque dans lequel on trouve une indifférence énorme entre ce qui prix qui pratiquait ici avec même affaires qui sont capables d'order l'ON site dans l'Amérique ou ailleurs et quand il vient malgré tout PPID peut-être 30% 20% voire 50% moins cher qui si vous pouvez acheter ici. Dernières affaires, c'est surtout le clou du spectacle, c'est ça, c'est un moulinet accurate, c'est un des bonnes marque de moulinet de pêche qui est bien connu dans l'Amérique, made in US. Depuis un an, en fait, tombe amoureux de Saban Reel. Saban Reel, là, ça c'est Daiwa BG MQ. On a trois comme ça, on a des 3000. Avec mon N4000. Ce qui est intéressant avec Saban Daiwa BGMQ là, c'est qu'ils sont bien bien solides. Ils sont extrêmement légers. Ça 3000 là, c'est 235 grammes.
9.3 ounces, ou bien qui compte en ounces. Et ça, là, c'est 285 grammes, donc à peu près 10 ounces, ou bien qui compte, qui y en a référence en ounces. Ça, petit là, 3000 là, il y en a 10 kilos de frein. C'est quand même énorme, c'est une quantité de frein encore qui quasiment personne n'a pas servi. Alors, on peut vraiment faire un énorme poisson. Et ça, là, il y en a 12 kilos de frein, ça veut dire 26 livres de frein. Pour faire drop shot, même pour un poisson qui est assez gros, ça dé type moulinet là, handle bonnes affaires, très bien. Mais malgré tout, comment je te connais, un moulinet spinning, et là, je te bonne limite. Moi, je tiens un moulinet conventionnel pour faire la traîne, etc. Mais on tiens un moulinet conventionnel pour faire drop shot et pour handle bonnes gros poissons. On prend la décision, prend un moulinet conventionnel. Donc, on prend un packaging, c'est rien. C'est tout collant, bien beau. Donc, on prend un accurate variant. Il y a un narrow spool, extrêmement compact, extrêmement léger. C'est un moulinet en fait, fait 280 grammes, 9.9 ounces. Il y a aussi léger qui ça, petit 3000 là. Donc imagine le confort quand je pêchais un poisson avec ça et le fait qu'il n'est pas fatigué, qu'il va continuer jig. Et ce qui est intéressant aussi avec ça, c'est qu'il y en a 23 livres frein, largement suffisant pour tacler un taban gros poisson qui nous a habitué de gagner, qu'on peut faire jig et drop shot. Bon, on est sur un céréole, sur un gros carang, sur un gros jeté qui fait 50 livres, 60 livres. On n'a aucun issue pour deal avec ça. Autre chose aussi, c'est qu'il y en a un gear ratio qui est bien intéressant. 6.N pour N tour. Donc N tour fait 6.N fois moulin à tourner. Qui fait qu'il y en a aussi un line retrieve de quasiment 1 mètre, 96 cm. Chaque fois qu'il tourne ça, il y a 96 cm qui peut revenir. Donc, je tourne avec mon main gauche, mon droitier, comme beaucoup en jet. Et ma grande frustration, comme beaucoup en jet aussi, c'est qu'un tas de matériel la pêche, un tas de moulinet, surtout mon conventionnel, vient d'abord et avant tout en right hand. La main dominante qui peut faire la fosse, donc mon sentiment bien gauche quand en fait je viens travailler avec un moulinet qui n'est pas left hand reel et qui fait que je viens faire des efforts avec mon main gauche et mouline avec mon main droite. Tout ça bien contre-intuitif, il n'est pas du tout ergonomique. Quand je trouvais ça handle là, il m'a dit un peu handle comment ban chose, hein, comment ban OCR Jigger, très confortable. Très léger, il est aussi long, ce qui fait qu'il y en a beaucoup plus justement torque pour capable risser. On fait ça comme haut de la spool, lit déjà pour moi, bien propre, bien aligné. Hein. Je fais des travaux là, propre, bien spool. Là, donc, il y en a 300 mètres de 30 livres, multicolored, qui est bien pratique quand on peut jig en profondeur. Mon ban qui privilégie la ligne léger, donc 30 livres, c'est le maximum que je peux aller. Je ne peux pas tirer envie à pêcher ça de toute manière. De même devant, je peux mettre un fluo 30 livres et pas plus. Pour éviter l'eau qui fait, je prends sa moulinée là aussi. Et un level drag. Et qui fait un level drag important, en tout cas dans certaines circonstances, je fais que mes yali, moi-même fais que là, parce que je perds un poisson là, quelques jours de cela. L'in spool, moi, l'in prend tout mon difficile, l'in aller parce qu'il m'a pas capable de régler mon frein assez vite. Ce qui est arrivé, c'est que dans une fight 10 avant, moi, j'ai une baisse mon frein pour gérer un poisson. Je oublié quand on finit ramener un poisson là, quand on finit mettre dans un glacier ou whatever. Je oublié régler mon frein, remettre côté de l'été à peu près. Ce qui fait que quand on gagne l'autre poisson qui est beaucoup plus gros, ça là, beaucoup plus puissant, qui fait un gros run commencement. Mon tordé pour réassister mon frein jusqu'à côté de l'étiété. Et entre temps, le poisson est tellement rapide
qu'il continue à aller même et quand mon frère il réussit à résister côté tibisin, quand il réussit à arrêter, quand on réussit, ce qui est arrivé, c'est qu'il s'appelle. Ce qui est intéressant avec donc Man Level Drug, c'est qu'il est capable de finir 7 exactement freins là, au niveau strike, mais exactement côté tibisin était. Ce qui fait qu'il donc, si bien entier qu'un poisson capable de descendre le frein là un petit peu, mais dès qu'il y a un poisson, il prend et que c'est un poisson qui bien gère à un certain niveau de frein, mettez tout de suite le strike et revine exactement la quantité de frein qui est bien énorme, ce qu'il ne faut pas être capable de faire la dernière fois. Donc, petit peu cause achat online. L'achat online, malheureusement, il a aussi ses limites parce que, contrairement à un peu magasin ici qui offre une facilité de crédit à travers différentes agences de crédit, etc., quand on peut acheter online, malheureusement, on besoin dépense somme-là un seul coup, qui fait que, par exemple, le sac a été mouliné là, qui n'est pas nécessairement bon marché non plus, ou besoin de débourser une grosse somme d'argent qui tout le monde pas nécessairement en a à one go, et les temps qui nous récit économisent ça, l'argent-là. Pas nécessaire que l'opportunité là, encore là, et prix là encore pareil, et de l'or, pas n'augmente pas 4 roupies ou 23 roupies. Mais si l'opportunité se présente, si vous êtes capable de dépenser l'argent là à ce moment-là, vous avez une série d'opportunités qui est capable de saisir online. Aussi parce qu'il y a une certaine quantité importante dans Maurice de Ban. En fait, de bonne marque assez connue. Je t'amène un modèle qui, selon d'autres, pour moi, c'est moins pour moi, l'exemple le plus flagrant, c'est ça. C'est mon pensée, ça moulinet là, d'ailleurs, BGMQ, 3000 là. Il y a un excellent moulinet. Il est versatile, bourrisseuse, capable de faire avec ça. Mais c'est moi, je me trouve, il commence à venir, mais juste dans certaines sizes, qui pas make sense. Mais si tu prends beaucoup de monde dans d'autres qui ont envie de tester ça, il y a un petit peu cher, moi d'accord, mais en termes de qualité, en termes de value for money, c'est un moulinet qui vous garder pendant mon aimant, je pense, vous garder ça pendant 5 ans, 6 ans, il vous travaille sans aucun problème. Donc, le côté online, c'est aussi pour permettre ou gagner un produit qui, malheureusement, mon importateur Maurice n'a pas amené. Moi, j'ai envie de terminer par ça, pas besoin non plus, qui peut une opportunité bien intéressante, peut un good deal pour gagner Maurice. Par exemple, ça. Moulin là, Mobizin, bien sûr, PLI avec un canne. Et là, comme un shop around, comme un guet-apé, me trouve des cannes qui paraissent bien appropriées pour lui. Un, c'est un canne Assassin Abyss. Par exemple, Assassin, c'est un mort qui est difficile de gagner dans un grand site international. Et dans un site sud-africain, par exemple, qui fait Assassin. En tout cas, on ne trouve aucun qui ship vers Maurice. Donc, par exemple, pour ça, moi, j'ai un Assassin Abyss en tête qui m'a pensé pour faire très très bien que ça. Moi, j'ai un Sakura probablement qui m'a bougetté, qui peut-être aussi pour faire bien avec ça. Sakura qui est un anneau en spirale, vous connaissez, qui distribuait pression l'eau canne différemment et qui fait qu'il. Quand on peut fight un poisson, le fight là déroule plus correct. Et surtout, contrairement avec un moulinet conventionnel normal, quand l'anneau là-haut, puisque il est là-haut et puisque ben bag là pas équilibré de la même manière, moulinet là a tendance à bouger avec quand on peut reel. Tandis que quand il est en spirale, il tient plus droit. Donc voilà un exemple de ben affaires côté. Et dans un produit Maurice qui pas nécessairement facilement capable de gagner à un bon prix déo. Et un exemple aussi, et dans un produit Maurice qui, mine de rien, good value for money. Voilà, première fois, on va faire une vidéo unboxing. On va voir si je l'apprécie, je t'avais déjà dit dans le comment. En tout cas, est-ce qu'il ne peut pas apprécier ça petit moulinet là, ce matériel là? J'ai fini de faire un peu de vidéo là, parce qu'il peut venir dans les prochaines semaines. Donc, dans les semaines à venir, quand on peut aller à la pêche, on peut probablement tester ça et je peux probablement trouver une vidéo de ce qui ça donnait l'eau la mer et comment qui mène poisson. On récit tackle avec ça. Merci, Sengete. Comment je te connais tous les lundis, moi, je vais poster vidéo sur mon channel YouTube. Bye bye.